Bonjour à tous et bienvenue, on se retrouve. Alors si vous ne me connaissez pas, moi c'est Lauriane, on me retrouve avec le même pseudo qu'ici sur Instagram et Ravelry également. Ici on parle tricot, on parle laine et on se retrouve notamment pour un nouvel épisode de vlog de Noël. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Ça y est, on a déjà fait, on est arrivé à la moitié de l'Avent. On est le 12 décembre, le troisième dimanche avant Noël. Donc voilà, ça, mine de rien, ça approche vite, ça arrive à grands pas. Je vois pas le temps passer, c'est... Voilà, je trouve ça assez fou. Ça passe vraiment très très vite. Aujourd'hui, je porte mon pull Azucena de Nadia de NCL Knits, un modèle qu'on retrouve dans le livre Worsting de la bien-aimée. Vous ne trouverez pas pour l'instant à l'unité sur Ravelry. Pour l'instant, il est disponible que dans le livre. Donc, on se retrouve dans le dernier épisode. Je vous avais montré mes chaussettes qui étaient terminées, mon Magnolia Bloom qui était terminé également. Et là, donc, on se retrouve pour un nouvel indice du calendrier de l'Avent. Et je l'ai tricoté en entier cette fois-ci. Hé hé, il y a du progrès. Alors, je vous montre. Oh, je vous ai tapé. Donc, voilà le coloris qu'on a reçu. Donc, c'est le coloris pignon. J'ai pas la petite carte là sous les noms, mais voilà, c'est le coloris pignon. Donc, c'est un beige avec, regardez, des tout petits speckles verts. Donc ça annonce bien ce qui va arriver dans les jours prochains, on va passer au vert. C'était inévitable, je le savais, je m'en doutais qu'il y aurait du vert dans ce calendrier de l'Avent. Hein. Je ne suis pas surprise. Et ça devrait arriver incessamment sous peu. Donc attention, parce que là vous n'êtes pas prêt pour l'indice du jour. Non, celui-là, je ne l'avais pas vu venir. Tada ! Voilà ce que j'ai tricoté aujourd'hui. Donc ce sont des... c'est ce qu'elle appelle des bouclettes, il faut tricoter des bouclettes, ça donne cet aspect, ben voilà, c'est vraiment quelque chose de particulier ou rendu quand même spécial. J'ai jamais fait de ma vie ce genre de point, c'est la première fois. Donc je l'ai déjà vu ça sur les gnomes, sur la barbe d'un gnome justement, je l'ai déjà vu que ça avait l'air d'être fait comme ça. Donc voilà, là on en fait... c'est comme ça qu'est notre indice du jour. Donc dans le patron, il y a une vidéo parce qu'il y a l'explication de la bouclette. Mais alors lire l'explication quand même, heureusement il y avait la vidéo, avec un visuel c'est quand même beaucoup plus simple. Donc c'est pas compliqué à faire, ça prend du temps, mais c'est pas compliqué. Après je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. Je sais pas, c'est rigolo à faire, voilà, je l'ai fait une fois dans ma vie, c'est bien. Après j'ai quand même peur que c'est quelque chose que je vais accrocher facilement. Donc, vous voyez, en plus on le met autour, c'est une étoile, c'est pour mettre autour du cou. Moi je le vois bien se coincer dans mes boucles d'oreilles ou autre. Enfin bref, on verra bien, mais voilà, c'était le truc du jour. De ce fait là, je trouve que les speckles verts, ils se voient pas du tout. Ouais non, ça ne se voit pas. Vous voyez, on en a un ici, ils sont tellement légers que là, dans l'ensemble, ça se voit pas. L'indice précédent, c'était ce jaune très très flashy. Voici le rendu, je sais plus si je vous l'avais montré dans l'épisode précédent, l'indice tricoté en entier, mais voilà ce que ça donne. C'était assez sympa, c'était pas mal. Donc voilà, c'était l'indice du jour. Donc comme on est dimanche aujourd'hui, on avait un petit bonus en plus dans notre pochette du calendrier de l'Avent. Je vous montre. Voilà, on a eu tout un lot d'anneaux marqueurs spécial Noël. Voilà, petit cadeau, petite moufle, petit bonhomme de neige, petit sapin, petite hotte et petit flocon. Voilà, on a eu ça. C'était présenté comme ça. C'était dans un petit. C'était mis dans un petit pochon vert. Voilà, donc ça c'était le calendrier de l'Avent pour d'aujourd'hui. Donc on est arrivé à la moitié de l'étole. Je ne l'ai pas mesuré. Je ne veux pas penser à la mesurer, mais c'est vrai que ça fait déjà quand même une bonne longueur. On a fait la moitié. Voilà, on verra bien. Ouais, ça va être quand même pas mal parce que déjà là, hop, si ça je le mets là, je me fasse pas mal avec l'aiguille. Vous voyez, là déjà je peux faire le tour. Donc ça va être, au final, ça sera quand même conséquent au niveau de la taille.
Hop là. Je vous l'avais dit la semaine dernière, j'ai également sur mes aiguilles en ce moment un test. Donc je teste le pull Clarisse pour Nadia, pour NCL Knits. Ah, j'ai le sac avec les pelotes, mais pas le pull avec. Ah bah j'ai pas avancé. Non, j'ai pas avancé depuis que je vous l'ai montré parce que je me souviens avoir dit que j'étais dans la moitié de ce motif-là, que c'était un motif que j'aimais beaucoup et donc bah, ça n'a pas changé. Non, j'en suis toujours au même endroit. Bah, j'ai pas tricoté hier. Qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Non, j'ai pas tricoté ça, effectivement, c'est pour ça. Non, non. Non, bah j'ai pas d'avancée sur mon pull, mais voilà. Donc ça c'est le pull Clarisse, un pull en jacquard. Donc le yoke est en jacquard. Le reste du pull sera en jersey simple. Et bah, il faut que j'avance là-dessus. C'est ce que je vais faire après. Vous êtes après venu vous voir là. Je vais tricoter ça, je vais avancer ça. Non, c'est pas ce que je vais tricoter tout de suite en plus. Ayant fini mes chaussettes de Noël, voilà, j'ai remarqué quand même que la paire de chaussettes, c'est ce qu'il y a vraiment de mieux à transporter, à avoir partout avec soi. Donc j'en ai relancé tout de suite une sur mes aiguilles. Et j'ai été chercher dedans un modèle. Parce que voilà, j'ai ce bel ouvrage et donc ça serait quand même dommage de ne pas faire le modèle. J'en avais fait qu'un seul jusqu'à maintenant dedans. Donc j'attaque le deuxième. Donc c'est un modèle que Nathalie Bynett elle avait fait, elle avait présenté et que je trouvais très joli. Donc le voici, voilà ce que je vais faire. Donc c'est vraiment au final c'est des chaussettes assez simples sur l'ensemble. Juste avec qui sont là sur le jersey en vert avec quelques lignes juste de maille en droit. Donc vraiment. Et puis là, la fin où il y a un joli motif, mais sinon l'ensemble de la chaussette il est simple. C'est le modèle Garia de Erika Lopez. Donc ce sont des chaussettes qui se commencent par la pointe, donc ça je suis vraiment contente parce que c'est ce que je préfère. Et je les tricote. Hop. Donc j'ai un tout tout petit début de chaussette. Voilà, tout petit début. Je vais poursuivre ça après. Et donc je les tricote avec la laine By Night. Justement donc de Nathalie, c'est un zinzin indigo. Faut que je retrouve l'étiquette parce que je ne l'ai plus en tête. Et je sais plus où aller l'étiquette. Faudrait que je retrouve l'étiquette. Je sais plus si c'est de la laque à la base. Bon, je sais plus. Je vous le redirai. Je vais retrouver l'étiquette pour vous dire le coloris. Et donc je l'ai mis dans la petite chaussette cake. Ouais, chaussette à pelote que m'a offert mon ami Dominique. Donc c'est la même marque que celle que mon amie Apolline m'avait offert. C'est une Ange Fouché. Ouf, Angélique, Ange Fouché, je sais plus. Bah, elle est où l'étiquette? Je l'ai vu l'étiquette pourtant de la personne. Où est-ce que j'ai mis? Pourquoi j'ai perdu l'étiquette? Là, Ange. Hop. Voilà, Ange, mais je sais pas, je crois que c'est Fouché. Je vous mets le nom à l'écran de son Instagram. Voilà, comme ça, ce sera plus simple. Et donc c'est pratique avec les boutons pression, ça s'adapte assez bien à la taille de la pelote. Pour l'instant, hop, je mets sur les pressions plus grandes et puis quand ma pelote elle va rétrécir, je pourrai passer aux pressions un peu plus petites. Mais voilà, je l'ai mis dedans et je prends mon fil par l'intérieur. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce modèle-là, parce que déjà je l'aime bien, mais en plus comme tout le corps de la chaussette, il est quand même assez extrêmement simple, ça mettra bien en valeur les nuances de cette laine. Donc voilà, mais pour l'instant j'ai vraiment un tout tout petit début. Là j'aimerais c'est passer la pointe pour commencer pour après arriver sur le pied de la chaussette et que là bah, ça devienne complètement un tricot zéro cerveau jusqu'au talon. Je sais pas comment c'est, si le talon, si c'est un talon à gousset ou en rang raccourci, j'en ai aucune idée. Oh, c'est un talon en rang raccourci. Ah bah ça c'est parfait. Ça, j'aime beaucoup. Ah bah c'est parfait. Non, bah c'est nickel. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain. C'est parti pour une nouvelle semaine. On est lundi, on se retrouve. Aujourd'hui, je porte mon pull de Noël, mon Yvette de Noël. Voilà. Hop là. Alors d'ailleurs c'est rigolo parce que sur Instagram j'avais juste mis que je tricotais, que j'avais commencé un pull en jacquard avec trois couleurs.
Et vous avez été plusieurs à me dire, oh, un pull de Noël, un pull de Noël. Mais non, non, pas de pull de Noël. Hein. Pour ceux qui ont regardé le vlog, non, pas de pull de Noël. Même si, comme je vous avais dit, ça aurait pu. Mais voilà, comme je vous avais dit, hein, c'est pour le mois de février. Et donc, Noël en février ne sera... Le chat est tombé. Le chat ne sera... Le chat, non. Noël ne sera plus d'actualité. Alors, j'ai quand même bien avancé. Oui, j'ai avancé un peu sur mon pull de Noël, pas Noël. Hop, je vous montre un petit peu l'avancée et j'ai fini le motif central que j'aime beaucoup. Franchement, allez savoir pourquoi, mais j'aimais bien. J'aime bien le rendu. Et j'en suis à plus de la moitié parce qu'en fait, on répète la même chose. On répète cette partie-là, mais de l'autre côté. C'est très symétrique au final. J'aime bien. J'aime beaucoup. Donc voilà. Ça avance à son rythme tranquillement. Une fois que j'ai tricoté mes petits calmistères, je prends du temps pour lui. Pas de pression, j'ai le temps encore, c'est pour début février. Ça va aller. Le coloris du jour, est-ce que j'ai la petite étiquette là? Donc le coloris du jour, c'est Riolet. C'est très rigolo comme nom de coloris. Donc je vous avais dit que le coloris précédent, il y avait quelques petites speckles de vert. Une toute petite touche de vert qui au final ne se voit plus, quasiment plus quand on... Une fois tricoté. Et aujourd'hui, il n'y a pas du tout le vert. Voilà, c'est vraiment comme c'est écrit, couleur Riolet avec des toutes petites touches. Vraiment des tout petits speckles très très fins que vous n'allez pas voir. Ah, quoique là. Donc voilà, c'est une couleur plus claire qu'hier. Je vous montre. Vous voyez là, vous allez voir dans la transition, on voit les deux couleurs. Donc légèrement plus claire qu'hier. Et comme vous pouvez voir, j'ai juste tricoté la transition. Ça faisait longtemps hein, que je viens juste vous montrer pas grand chose. J'ai pas eu le temps encore. Donc là, je sais qu'on part sur un indice de dentelle aujourd'hui. C'est reparti pour de la dentelle. Mais j'en suis au premier rang qui est un rang de jersey endroit. Ça vous avance pas à grand chose. Donc vous le verrez demain. Voilà. Ça y est, on a atteint la moitié. La moitié de l'étole. Alors je sais pas si on aura du vert après. Pour moi ça me paraissait quand même logique. Sur l'image de départ il y a du vert. Je vais vous la remontrer, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Oh oui, il y a du vert. Hein. Est-ce que je l'ai en plus grand là? Hop, je vous remontre. Ça, c'était l'image qui indiquait un peu la palette couleur. Et il y a du vert, hein, il y a du feuillage. Donc pour moi, je pense que peut-être que toute la fin de l'étole, elle sera verte. À voir. On verra bien. Surprise, surprise. Ah, j'arrive plus à le ranger. Donc ça avance, voilà, ça va avancer là juste après, je vais la reprendre et tricoter ça après vous êtes venu vous parler. Et j'ai également avancé, je me tourne dans tous les sens, je me suis pas préparée là pour venir vous parler. J'ai avancé sur ma petite chaussette. Alors je vous montre dans quel sens, dans ce sens là, que je vous le montre à l'endroit. Voilà le début, donc la pointe. Et le motif de chaussette. Donc comme vous voyez, c'est des mailles, c'est du jersey en vert et des mailles en droit ici. Alors j'utilise le petit contrant offert par mon ami Dominique. Il est vraiment chouette, il est tout petit, il est tout fin, il est parfait pour l'anneau marqueur assorti. Il est parfait pour ce genre de petit projet nomade. Donc c'est la laine de Nathalie de By Night et je n'ai pas cherché après l'étiquette. J'ai cherché après l'étiquette et je ne la retrouve pas. Donc tant pis, j'essaierai de retrouver. Mais il me semble que c'est un zinc indigo, ça c'est sûr. Ça doit être le lac et donc indigo. Mais bref, tant pis. Donc on tricote la pointe en jersey endroit et ensuite on tricote le projet sur l'envers. En fait, on tricote l'intérieur de la chaussette. Donc il y a un rang spécial à faire pour retourner finalement le tricot. Et moi je tricote ça. Donc en fait je tricote que du jersey endroit et quelques mailles de envers. C'est très sympa. Bon, au moins c'est bien, ça reste très simple. Donc ça met bien en valeur la
couleur de la laine, tout en ayant voilà, ce petit détail mignon qui est très joli et très simple à faire. Donc c'est devenu mon tricot de voiture. Ça, voilà, ça avancera comme ça avancera tranquillement. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain. On se retrouve. Alors, désolée, j'ai pas regardé encore la vidéo d'hier. Mais je pense que ça s'entend, je suis malade. Donc, je suis pas sûre que le son il soit terrible ou que ça soit des plus agréables de m'entendre parler et je m'en excuse. Mais voilà. C'est pas la grande forme. On cumule pas mal de petits soucis ces derniers jours. On en a eu notre dose là. J'avoue que c'est le pompon en cette fin d'année. Des trucs finalement pas bien méchants, pas bien graves, mais tout cumulé qui fatigue énormément. Puis s'ajoute à ça, ben, voilà, des rhumes, un mal de gorge et tout. Donc c'est vrai que j'ai hâte d'être en vacances, encore un peu plus d'une semaine. Bon déjà quand les enfants seront en vacances, ça fera déjà du bien. Et après ça sera Noël et puis on pourra souffler. Donc voilà, je m'excuse, je pense pas que j'ai... peut-être que la vidéo... fait des miracles et m'enlève un peu mes traits de fatigue, mais voilà, c'est pas la grande forme, mais on va faire avec. Aujourd'hui, je porte mon pull Humulus de Isabelle Kremer. Et c'est vrai que je me souviens bien, je vous avais dit, le seul souci de ce pull, c'est qu'il va un peu vers l'arrière. Ce matin, quand je l'ai même mis, je suis regardée à deux fois être sûre que je l'avais mis dans le bon sens, tellement sur le coup, ça m'a choquée. Après, je fais la journée avec et je m'y habitue, il n'y a pas de souci, mais sur le coup, c'est vrai que je me suis... Bon, je l'ai mis à l'envers, mais non, ça va. Alors aujourd'hui c'est super chouette parce que bah voilà, un petit moral ça a été Noël dans la boîte aux lettres. Donc c'est vrai que ça a fait super du bien de découvrir des petits colis dans la boîte aux lettres aujourd'hui. Oh, désolée, je me reçois bien. Alors déjà, j'ai passé une commande chez Lolita, Loli l'a fait. J'ai craqué pour ces produits de la collection de l'hiver. J'ai pris ce grand tote bag. Regarde, il est immense. Bah classiquement il est beaucoup plus grand que les tote bags qu'on peut recevoir dans des colis ou autre. Enfin, voilà, il est vraiment très chouette. Alors j'aime beaucoup l'illustration qui illustre ces produits. J'aime beaucoup, c'est vraiment très joli. C'était une illustratrice que je connais pas. Et ce que j'aime beaucoup c'est qu'il est zippé. Donc ça évite de perdre des choses. Parce que moi je suis du genre à floup, j'embarque le sac et si c'est pas fermé, là, floup, et à tout qui vole. Ça c'est... c'est vraiment mon habitude. Donc j'ai pris le pack gourmand tant qu'à faire. Bon, j'ai pris comme ça parce qu'il y avait plusieurs produits. Je viens de boire mon petit café dans le mug assorti. Donc voilà, toujours la même illustration, mais il est chouette. Alors le mug, il est très grand, vous voyez, par rapport à ma main. Donc il y avait la contenance, c'était marqué un 460 ml, je crois, un truc comme ça. Mais j'avais beau voir la contenance, en fait, je crois qu'on se rend pas compte tant qu'on ne l'a pas. Il est vraiment grand, il est vraiment très chouette, avec une grande anse, j'aime bien. Ça va être super bien pour se faire des... la gourmande qui parle, des chocolats chauds avec plein de guimauves dedans. Donc voilà, et j'ai pris... alors attendez, hop. Donc dans le pack gourmand, il y a le thé Noël enchanté également. Voilà. Ouais, c'est en partenariat avec Maison Fleur de Thé. Et il me semble qu'en fait, c'est toujours des thés qu'on peut avoir que... voilà, c'est travaillé, c'est Lolita et le... Maison Fleur de Thé qui travaillent ensemble pour avoir un thé spécial que vous trouverez pas chez Maison Pleine Fleur. Et j'ai pris sa bougie, donc c'était dans le pack de toute façon, voilà, forêt de sapin. Et ça sent super bon. Je pourrais pas vous dire, je sais pas ce que ça sent, mais ça sent bon.
Ça sent le sapin. C'est vrai que ça sent la forêt. J'avoue que là, j'aime beaucoup, c'est pas mal. Puis j'aime bien, moi, dans des petits pots comme ça. J'avais la version d'automne, je crois, mais je l'ai rangée avec ma déco d'automne pour la ressortir l'an prochain. Donc ça, c'est ce que j'avais commandé chez Lolita. Et j'ai reçu un très beau colis de mon amie Apolline. La poste ayant fait des merveilles, j'ai reçu le colis en 24 heures. Donc elle n'a pas eu le temps de me dire qu'en fait, il fallait que je l'ouvre qu'à Noël. Moi, j'ai vu son nom dessus, j'ai ouvert le colis. Un peu trop impatiente, la fille. Mais bon, c'est pas grave, la joie est quand même là. C'était une belle surprise. Alors, je vous montre ce que j'ai reçu. Alors, je vais pas tout vous montrer parce qu'on a été vraiment gâtés, gâtés. Enfin, beaucoup moi, mais elle a même pensé à ma petite famille, c'est vraiment très gentil. Mais je vais vous montrer bah, deux, trois petites choses qui font très très Noël. Alors, déjà j'ai reçu cette trousse, mais allez, regardez-moi ce tissu, il est magnifique. Hop là, avec un petit sapin. Donc c'est vachement chouette parce que c'est une trousse zippée. Donc c'est la... Je vous en ai déjà parlé parce que je l'ai là en plus, hop. Elle m'avait déjà offert ce sac-là, donc c'est entre terre et mer. Je vous mets son nom à l'écran sur Instagram. Donc j'ai ce sac-là et que j'aime beaucoup parce que ben, par exemple là pour mon étole que j'ai tricote pour l'avant, ben, c'est parfait, je la pose dedans. Quand c'est ouvert, le sac il a une très très grande ampleur, une très grande contenance. Et là, bon, bref, c'est un format trousse, et donc c'est entre terre et mer et c'est vraiment très chouette. Et c'est vrai que des trousses comme ça, j'en avais pas. Ou pas beaucoup. En tout cas, ce format-là qui tient tout seul debout, qui est haut et matelassé, j'en avais pas du tout. Et c'est vraiment très très beau. Et je sais pas si vous allez voir, le fil, il brille. Je suis pas sûre. Ça brille. Donc elle est vraiment très très belle. Je laisse pas tout tomber. Et on reste dans le thème de Noël avec, regardez-moi ça, ce duo de laine à chaussettes. Donc de laine de mousse, hein, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, mon pull d'automne et de laine de mousse de Catherine, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc là c'est en habit de lutin, donc il y a 200 mètres, il y a un écheveau donc de 50 grammes 200 mètres et un mini de 20 grammes 80 mètres environ. Donc 85% mérino super wash et 15% nylon. Voilà, et alors moi je vous ai dit, les chaussettes de Noël pour cette année c'est fini, mais non, c'est... Non, 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 bah non, je vais faire cette paire de chaussettes là. Je vais pas attendre l'an prochain pour savoir ce que me révèle ce petit coloris. Donc je vais finir ma paire et bah, ensuite, tant pis, au mois de janvier, je ferai une paire de chaussettes de Noël. Bon, de toute façon, ça m'empêchera pas de le porter le reste de l'année, hein, faut pas croire. Mais voilà, merci beaucoup Apolline, c'est vraiment chouette. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça me réserve. Et même si voilà, je suis ni une fan du vert ni une fan du rouge, mais alors si c'est associé à Noël, moi j'adore. On a un sapin vert avec que des décorations rouges. Je regarde là parce qu'il est là en fait. Nous voilà, c'est tout rouge et vert pour Noël. Donc même si c'est pas mes couleurs de les 11 autres mois de l'année, moi quand c'est Noël, c'est parfait. Donc je suis vraiment contente et c'est super doux. C'est très très doux. Donc j'ai hâte de mettre ça sur mes aiguilles. Et pour rester dans le thème de Noël, je reconnais à ce petit pochon que ceci provient du repère des tricopines, que voilà, je vous en parle également souvent. Donc c'est une boutique qui vend des anneaux marqueurs, hein, vous le savez. Et donc regardez-moi ça, j'ai reçu tout ça de Noël. Alors c'est Noël et hiver.
parce que bah voilà, le flo il y a des flocons de neige, il y a des bonhommes de neige, mais il y a des sapins, il y a un cerf. Moi, il y a plein plein, il y en a plein, j'arriverai pas à tous vous les montrer. Mais je les trouve vraiment très beaux avec l'anneau, la petite perle rouge là. C'est vraiment très très chouette. Vous voyez les petits flocons. Donc voilà, j'ai été gâtée. J'ai encore d'autres petites merveilles à vous montrer, mais je vous en parlerai plus tard. Enfin, je vous ai montré ce qui faisait vraiment très très Noël. Et c'est magnifique. Donc, merci encore à toi, Pauline. Donc ça m'a égayé ma journée qui était un peu... voilà quoi. Hein. Ça m'a égayé ma journée, ça m'a fait vraiment du bien au moral. Et c'est vrai que c'est ça que je pense qu'il faut que tous on essaye de... C'est que Noël, voilà, ça nous apporte quand même beaucoup de joie dans des petits plaisirs comme ça, quand parfois la période elle est pas forcément toujours facile. Alors sinon, niveau avancé, j'ai pas avancé sur ma chaussette, j'ai fait deux rangs de mon pull de jacquard. Voilà, hier c'était pas non plus. C'est plusieurs jours qu'on sou... que c'est sur plusieurs jours qu'on a associé, qu'on a cumulé plein de soucis. Donc, hier pas beaucoup de tricot. J'ai juste eu le temps de faire mon indice d'hier. Hop hop hop. Alors que je vous montre l'indice d'hier. Hop. Voilà ce qui donnait tricoté. Parce qu'hier je suis venue vous montrer que la transition. Là, aujourd'hui je vous montre l'indice d'hier tricoté et la transition du jour. Comme ça vous avez un petit aperçu de la nouvelle couleur. Donc voilà la jolie dentelle. Alors c'est vraiment le motif, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu. Alors Christelle nous dit que ça lui fait penser à des flocons de neige. Alors moi j'y voyais au choix soit des papillons, soit des fleurs. Chacun y interprète ce qu'il veut. Hein, moi je suis pas psychologue, me dites pas que je suis une psychopathe parce que j'y vois un papillon ou des fleurs. Hein. Mais voilà, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé l'affaire, c'était vraiment chouette. Donc hier c'était riolet, et contrairement aux autres sections, celui-là il a deux rangs de plus dans la dentelle. Alors ça fait que je suis arrivée mais au bout du fil à pas grand chose près. Ça c'est tout ce qui me reste seulement du fil. Faut encore que je le rentre et que je le coupe, mais vous voyez, pas grand chose. J'ai vraiment cru que j'allais pas le finir. Que j'allais pas avoir assez pour finir le rang. Mais bon, ça va. Il y en a eu assez. Tout juste bien. Le coloris du jour, le voici. J'éviterai de le dire, hein, c'est en anglais. On va s'abstenir. Et donc, vous l'avez un petit peu aperçu, mais le voilà. Donc c'est pas la même couleur qu'hier, il est plus, je sais pas, moins jaune. Ce matin c'est marrant, je le voyais gris et là je le vois plutôt grège. Un peu plus beige que gris finalement. Bah j'aime beaucoup cette couleur là. Et finalement toujours pas de vert, hein. Je vous avais dit, j'étais pas folle, hein. J'ai vu des speckles de vert là dedans, mais au final pour l'instant pas de vert. Donc voilà, j'aime bien là la couleur, j'aime beaucoup. Qu'aujourd'hui c'est un tout petit peu de texture. Je vous le montrerai demain parce que j'ai fait que ma transition. Mais voilà, aujourd'hui c'est pas de la dentelle, c'est un tout petit peu de texture dans la section du jour. Qui m'a l'air fort sympathique à tricoter. Donc je vais aller faire ça. Bonjour, on se retrouve. Alors aujourd'hui je porte mon Yvette d'automne. Voilà, vous savez, je l'aime beaucoup. Donc même si on approche de l'hiver, de Noël, je compte bien en profiter encore pas mal dans les semaines à venir. Comme vous l'entendez peut-être, j'ai pas récupéré totalement ma voix, je suis toujours bien enrhumée. Mais bon, tant pis, on fait avec. Alors, j'ai pas beaucoup tricoté, très peu d'avancées tricot. Hier, j'ai juste tricoté mon indice de mon calendrier de l'Avent, je vais vous montrer aujourd'hui. Et j'ai rien tricoté d'autre. Vraiment, raplapla, fatiguée. Que c'est tout, une soirée sans tricot. Alors je me suis un peu tournée ennuyée parce que bah, le fait d'être là dans le canapé à rien faire, c'était... Mais j'avais vraiment pas envie de tricoter, donc voilà, je me suis pas forcée à tricoter, mais je me suis dit qu'est-ce que je fais, j'avais rien à faire. Mais voilà. J'ai retrouvé l'étiquette de mes chaussettes. C'était pas compliqué, j'ai bougé le canapé, je l'ai retrouvé. Je savais qu'elle était pas loin. Donc bon, elles n'ont pas beaucoup avancé depuis la fois que je vous les ai montrées, mais voilà, donc c'est de la laine By Night. Et donc c'est bien un zinz indigo, et c'était bien en fait en lac et indigo. Donc je crois qu'en fait c'est un bain d'épuisement de lac, et puis après c'est teint dans l'indigo.
Et d'ailleurs, je vous avais dit avec mes chaussettes de Noël, je trouvais que ma pointe, elle était très très grande, un peu trop grande à mon goût. D'ailleurs, j'ai pesé, de toute façon, j'ai utilisé 24 grammes de contrastant, donc faut que je modifie ça pour passer dans 20 grammes quand ce qui est un mini, quoi, habituellement de teinturière. Et là, sur ce modèle-là, on commence donc par la pointe, mais j'ai bien aimé en fait la pointe, elle est faite. On fait d'abord les. Plusieurs on fait les augmentations sur je sais pas les 4 ou 6 premiers rangs, ben, on fait les augmentations même tous les rangs en fait. Et après seulement et après on passe à on fait les augmentations un rang sur deux. Donc ça donne une pointe un peu plus arrondie. Donc déjà j'ai monté plus de mailles que ce que moi je monte habituellement. Et en plus au début on fait des augmentations tous les rangs et après on fait des augmentations un rang sur deux. Donc ça donne une pointe en hauteur moins haute. Donc c'est pas mal, ça consomme moins de laine et je verrai si ça me convient et je garderai peut-être cette formule-là. Voilà, ça c'était juste pour faire la petite mise au point au niveau de ma chaussette. Hop. Donc on arrive au jour 15, ça avance hein, du calendrier de l'Avent. Là c'est le coloris qui m'offre. Alors attendez que je vous montre ça. Moi j'ai été hyper étonnée, je m'attendais vraiment pas à ça. Voilà Guimauve. De voir, alors c'est un parme, je vais dire ça comme ça tire sur le violet. Je m'attendais tellement à partir sur du vert ou à la rigueur du bleu que quand j'ai ouvert le paquet ce matin, puis en plus à la lumière de l'ampoule quoi, le matin quand il fait nuit, juste quand on allume les lumières de la cuisine, ça faisait rose. Je me suis dit, ouais, c'est quand même bizarre. Alors au final, c'est pas rose hein, parce que quand je le mets à côté. C'est plus, alors je sais pas si vous allez le voir à l'écran, mais c'est plus sur le violet quoi. Là c'est sur le rose, là on part plus sur le violet. Donc c'est différent, mais j'étais surprise. Voilà, franchement je m'y attendais pas. Alors je vous montre hier l'indice parce que je vous avais pas montré. Ouais, vous êtes sur. Alors je sais pas si vous allez le voir, c'est des dot notes, je crois que ça s'appelait le point. Alors ça fait des toutes. Petite, toute petite boule, alors c'est pas comme des nopes, hein, c'est vraiment plus simple à faire, ça se fait facilement, rapidement. Ça donne une légère texture, et moi ça me fait penser par contre à la neige, vous savez, parce que, ouais, je sais bien, la neige, on fait toujours des flocons avec des petites barres et tout, mais moi grosso modo, quand je vois de la neige, j'ai l'impression que c'est des boules qui me tombent dessus, plus que des jolis flocons. Hein. Donc moi ça me fait penser à la neige qui tombe. Alors, je suis pas sûre que vous voyez grand-chose à l'écran, parce que. C'est très très léger comme point. Au quoi qu'à la rigueur, peut-être que vous voyez mieux avec le contraste. Alors, normalement pour ce point-là, il y avait. Je l'avais fait. J'ai suivi le patron à la lettre comme c'était recommandé. Alors, je vous avais dit, hein, ici, déjà, j'avais été tout juste en laine parce que. En fait, on a des sections de 16 rangs. Et là, on en avait 18. Et là, pour cette section-là, on en avait 20. Où est-ce qu'on a fait 2 fois 8 et encore 4. C'est ça, 20. Mais je me suis dit, ben voilà, elle doit avoir raison et tout. Je vais suivre. Hein, c'est que du jersey endroit, c'est peut-être parce que ça consomme moins de laine. Donc je l'ai fait. Puis quand j'ai voulu ce matin commencer ma transition, ben, en fait j'ai juste fait là et j'avais plus de laine. Donc j'ai défait. J'ai défait en fait parce que là, vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4 rangées avec les petites bouboules là. Ben, j'en avais une ou deux en plus. Non, juste une en plus. Bah voilà, j'ai enlevé ce rang-là. Et puis comme ça, j'ai pu faire la transition complète comme les autres. Voilà, et ça me paraît plus. Et puis là, elle a 16 rangs. Donc c'est pas plus petit que les autres sections, quoi. Elle est de la même taille. Donc c'est pas un problème. Et donc là, c'est une nouvelle dentelle. Mais je viens déjà de faire deux fois. Parce que j'ai fait la première rang, pas de souci. Et en fait, le deuxième rang, je l'ai fait tout à l'envers. Et puis quand je regarde mon diagramme pour faire le rang suivant, là je me suis rendu compte qu'en fait la dentelle elle se fait et sur les rangs en droit et sur les rangs en vert. Donc j'ai défait, j'ai recommencé, j'ai fait mon rang en vert. Et sur le rang en vert, je me suis rendu compte que j'avais oublié des jetés en fait à chaque fois. Donc je viens de défaire tout mon rang en vert parce que, bon, récupérer la laine en dessous pour faire un jeté une fois, ça va. Mais en fait tout le long du rang, ça me faisait que plein de petits jetés. En fait, bon, je me suis dit allez c'est tout. On défait tout et on recommence son rang. Donc, c'est encore une fois, ce sera demain que vous allez voir le nouvel indice tricoté. Mais j'aime bien la couleur, je trouve ça sympa, c'est pas mal.
Donc on verra ce que je trouve. Voilà, ça, Christelle me surprend encore. Alors, vous êtes quelques-unes à me l'avoir dit. On est quand même plusieurs à trouver que le rouge il choque. Et je vais finir l'étole. Je vais la tricoter en entier pour en garder un souvenir de telle qu'elle avait été pensée initialement. Mais il y a de fortes chances pour que je détricote tout ça. Et moi je vais m'arrêter là. Je vais rabattre mes mailles. Je vais tout démonter. Puis je rabattrai les mailles après cette section-là. Je vais enlever les deux premières couleurs. Voilà. Tant pis, c'est pas grave. Ça ira dans des chaussettes, ça ira dans un gnome, ça ira dans ma couverture de reste. Je sais pas où ça ira, mais je l'utiliserai dans autre chose. Je pense que ça me conviendra mieux si j'ai pas le rouge. Parce que tout le reste, moi, des couleurs, j'aime bien. J'aime beaucoup, beaucoup. Et peut-être que ça, j'arriverai même peut-être à le remettre à la fin de l'autre côté. Si jamais. Là, comme je sais pas vers où on va, on verra bien. Mais voilà, je compte détricoter jusqu'ici, enlever le rouge. Et puis voilà. Alors, je vais perdre le côté où c'était joli. Ici, la dentelle, elle faisait comme ça. Voilà, à voir. Ou sinon, il faudrait que je reprenne mes mailles et que je retricote la fin dans l'autre sens. Mais je suis pas convaincue. Je sais pas trop, je verrai bien. Mais toujours est-il que le rouge, il risque de switcher à la fin. Tant pis, c'est pas bien grave. Mais je tiens quand même à tout tricoter et à en garder un souvenir entier de ce qu'elle était. Donc elle sera entièrement tricotée, lavée, bloquée telle quelle. Et ensuite, je verrai pour enlever ce rouge qui pour moi, c'est pas possible. Donc voilà. Donc là, je vais aller reprendre mon tricot tranquillement et essayer de bien faire ma dentelle. On se retrouve. Alors aujourd'hui, voilà, j'étais face à mon armoire, je regardais tous mes pulls, oh, qu'est-ce que je vais mettre? Et puis j'ai vu mon pull millefeuille et je me suis dit oui. Vraiment c'est un pull qui me tient chaud, je suis vraiment bien dedans et ouais, je l'aime beaucoup ce pull-là. Donc je crois que d'ailleurs je vous en avais parlé, ce que vous m'aviez demandé, ça m'avait été demandé si, déjà la question elle est revenue plusieurs fois, hein, si mon pull Magnolia Bloom, si tous les trous on avait froid, mais en fait donc au final il y a des trous là surtout sur le haut. Donc certes c'est vraiment des gros trous hein, mais moi voilà j'ai pas eu froid. Puis comme je vous disais, si vous le faites avec en mérino et mohair, vous aurez chaud. Et parce que celui-là, vous voyez, c'est de la dentelle, mais partout, 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 hop, vous voyez, jusque en bas du pull et dans le dos, c'est pareil. C'est que ouais, c'est des deux côtés. Et ben en fait comme c'est en mérino et en suri. Ça tient chaud, il n'y a pas de souci. Ça, franchement, ça tient chaud. Et le fait que la dentelle ne fait pas passer le froid, il n'y a pas de souci pour ça. Voilà. Alors aujourd'hui, le coloris du jour, il porte bien son nom. Hein. Je trouve qu'elle a quand même bien choisi les noms des coloris. C'est vin chaud. Donc vous vous doutez un petit peu de la couleur. Je vous la montre. Voilà. Un très joli violet. Alors je vous avoue, ce matin j'étais surprise, même mon chéri m'a dit oh, ça va contraster avec ton coloris de la veille. Sur le coup je me suis dit oui, ouais. Surtout que ben en fait comme je vous l'avais dit, moi je l'ouvre au matin, donc quand il fait encore noir, que c'est la lumière de la cuisine, c'est pas, finalement ça révèle pas bien les couleurs. Quand je l'ai vu après en journée, voilà, il était quand même un peu plus clair que ce que je croyais. On voyait bien que c'était du violet et au final ça s'accorde bien avec la couleur d'hier. Hop, je vous montre ça. En plus, je suis à jour. J'ai tricoté mon indice avant de venir vous voir. Donc, je vais pouvoir vous montrer celui d'hier et celui d'aujourd'hui en même temps. Et donc, voilà ce que ça donne. Hier, on tricotait une dentelle. Voilà ce que ça donnait. Donc, cette fois-ci, j'ai pas eu de soucis. Hein. J'ai pas manqué de laine. Tout ça, j'ai respecté tout à la lettre. Donc, hier, c'était cette dentelle-là. Ah oui, je me rappelle, qui se tricotait sur l'avant et sur l'arrière également. Bah voilà, après vous avoir quitté, je l'ai repris et puis ça a été très bien une fois qu'on a pris le coup à... Voilà, on sait et puis ça se fait bien. Donc j'aime beaucoup le rendu de cette dentelle. Et aujourd'hui c'était une dentelle mais vraiment particulière et voilà le rendu. Donc malgré le fait qu'il y ait 14 rangs, vous voyez que deux de moins que par exemple ici, ça fait une petite section parce que tout est un peu, je sais pas comment expliquer. Alors c'est vraiment très particulier parce qu'il y a des rangs où on fait des jetés à chaque maille. On double le nombre de mailles et après on réduit tout à nouveau pour arriver
pour pas que ça s'élargisse, quoi, garder le nombre de mailles sur notre aiguille, c'est assez étrange. Et ça donne cet aspect-là, un peu particulier, ça donne du relief. Attendez, parce que là, c'est en train de traîner par terre, c'est pas évident. Je sais pas si je le mets comme ça, vous allez voir quelque chose, non. Oh non, ça donne, je sais pas. Ah là, vous voyez un petit peu là, ça donne un peu de relief. C'est particulier à faire, ça se fait sur l'endroit, ça se fait sur l'envers. Il faut être attentif aussi là, sur celui-là il faut être encore plus attentif que là. Celui-là il a demandé de la réflexion, mais voilà, c'est fait. C'est rigolo, je trouve ça rigolo là de le faire une fois, après je ne l'aurais pas fait sur plus long, plus grand, voilà. Sur une petite section comme ça c'est sympa. Et donc la couleur, bah, je trouve pas que ça choque trop. En fait, ça reste quand même... ben voilà. Oui, c'est quand même fort contrastant, mais c'est pas pire, c'est pas si pire que ça, quoi. Voilà, je trouve que ça va. Ça va bien, ça s'accorde bien. Hop. Vous voyez, je trouve que c'est moins flagrant que ici. Et là, ça y est, ça devient trop grand pour que je vous montre. Et donc on voit bien la différence, hein, entre... Là c'est du violet et là on avait du marron. Vous voyez, c'est vraiment pas pareil et c'est différent aussi. Hop. À quoi que ça se rapproche plus de la première couleur. Voilà, donc là ça continue à me surprendre. Je sais vraiment pas où on va, je sais pas ce qu'on aura demain. Est-ce qu'on part encore sur du plus foncé, du plus clair? On sait pas. On ne sait pas. Ce sera la surprise demain matin. Mais ça rend pas mal, hein. C'est pas mal. Et là, ça commence à être vraiment un gros ouvrage à trimballer. Parce que là, donc, on en est à 16 mini. Il y a 320 grammes de laine. Où est-ce qu'un mini, c'est 20 grammes? Donc, 16 x 2 x 20. C'est ça. Donc, c'est quand même pas rien, quoi. C'est déjà 3 échevaux de tricoté. Donc, c'est quand même déjà une... Ça a déjà une belle ampleur. Voilà. Alors... Où est-ce que... Bon, la pelote elle est à terre, hein, forcément. On change pas. Une équipe qui gagne. J'ai avancé sur mon pull. Alors, j'ai pas fait une grande avancée, mais à force de vous dire que j'ai tricote que un ou deux rangs, bah un, deux rangs, plus un, deux rangs, plus un, deux rangs, ça fait quand même 5-6 rangs de fait. Donc je vais vous montrer un petit peu mon avancée. C'est pas fou, hein. Vous attendez pas à... Ne vous attendez pas à un yoke fini. Voilà. Donc j'ai dû vous quitter je crois ici, j'avais fini le motif et donc j'ai fait le dernier rang d'augmentation et je repars sur un motif, c'est celui-là, j'en suis là en fait à peu près. Donc il me reste ça à faire mais dans l'autre sens. Voilà, ça sera... C'est ce que je vais continuer à tricoter là ensuite, je vais poursuivre ça. Donc ça avance bien, toujours aussi contente de mes couleurs. Vos retours sur Instagram sont... Voilà, vous êtes pareil que moi, vous aimez beaucoup le rendu des couleurs, donc je suis contente. Ouais. C'est qu'au moins ça me rassure dans mon choix de couleurs. Et tant mieux. Donc bah pour aujourd'hui c'est tout. Ouais, je vous ai montré sur tout ce quoi j'avais avancé. Bon, j'ai un peu tricoté mes chaussettes, mais je viendrai vous les remontrer à la fin de cet épisode. Voilà, c'est pas non plus, c'est toujours la même chose, donc y a rien de plus à vous montrer aujourd'hui. Bonjour, bonjour, je vous retrouve. Aujourd'hui, voilà, gros pull d'hiver, j'ai mis mon Magnolia Bloom. Voilà, j'ai mis mon Magnolia Bloom.
suis bien dedans, je suis. Voilà. C'était une chouette journée. Moi, je suis du genre à me dire toujours la roue tourne, qu'après plein de petits soucis, on a eu plein de petites choses bien. Donc, ça fait du bien, voilà, de finir sur des petites choses qui se règlent. Ben, bref, voilà. Des petites choses bien. Aujourd'hui, j'ai pas travaillé. Ben, j'ai travaillé surtout. Ben, j'ai travaillé que ce matin en amenant mes périscolaires à l'école. Et après, ils faisaient cantine. Et moi, j'y allais pas ce soir. Donc, j'ai eu ma journée pour moi. Parce que la petite que je garde, elle a la gastro, malheureusement. Pauvre Pichoun. Mais ben, voilà, moi, j'ai eu ma journée. Je m'étais dit, comme à chaque fois que je peux avoir une journée de repos, je me dis, oui, je vais pouvoir tricoter, monter des vidéos, là là là, que nini, comme d'hab. Hein. D'un coup, je me suis dit, je suis toute seule à la maison, il n'y a personne, et bien c'est le moment de préparer les hôtes de Noël. J'en dis pas trop parce que je ne sais pas si vous regardez avec des enfants, mais voilà, vous avez compris. Je me suis attelée à ça aujourd'hui, à cette petite tâche de remplir les petites hôtes de Noël. C'est bête, mais ça m'a émue déjà de tout préparer, tout emballer, tout ça, parce que rien que de penser à l'excitation qu'il y aura dans une semaine, au déballage, tout ça, voir que. Espérant qu'ils soient contents, tout ça, mais voilà, rien que ça m'a déjà émue. J'ai vraiment hâte, c'est trop chouette. J'ai hâte dans une semaine. Je suis aussi impatiente que les enfants. Mais en plus, on a la chance, nous, de commencer les festivités un peu plus tôt, puisque déjà, dès demain, on va fêter l'anniversaire de mon homme, parce qu'il a rien trouvé de mieux que de naître un 22 décembre. Donc je sais, ça pourrait être pire, hein. Je pense à Mimi qui est née le 24 décembre, encore plus proche de Noël. Il pourrait être né le 25 aussi, mais voilà, lui c'est le 22. Belle maman, c'est le 26 décembre. Autant vous dire que notre porte-monnaie en cette fin d'année, ça fait mal. Parce que là on cumule donc deux anniversaires, Noël. Derrière on va enchaîner avec Axel qui est quand même du mois de janvier. Noël du mois de février et moi du mois de mars. Donc en fait entre décembre et mars on combine tout. Et après il n'y a plus rien dans l'année, on est tranquille. Mais on combine tout là en 4 mois de temps. Mais voilà, donc là ce week-end on va fêter déjà son anniversaire avec sa famille, avec ses parents et ses frères. Donc voilà, bon. Alors pas un truc grandiose. Donc il s'appelle Cyril parce qu'on me l'a souvent demandé. Voilà, mon chéri s'appelle Cyril. Cyril. Il va avoir 40 ans cette année et il est quand même triste de pas les. Alors, il est triste d'avoir 40 ans, mais il est triste aussi de ne pas pouvoir les fêter en grande pompe, on va dire. Hein, voilà, crise oblige, on va faire ça restreint, tout petit, et puis c'est tout. Donc on va le faire déjà ce week-end. Donc aussi, je me suis inquiétée, je me suis dit, oh, faut que j'emballe ses cadeaux et tout. Parce que moi, voilà, je fais pas les choses à moitié. Son anniversaire, c'est peut-être 3 jours avant Noël, mais il a droit à son anniversaire et il est gâté. Et c'est pire depuis qu'on est ensemble parce que c'est vrai que ben, lui, finalement, il a souvent combiné les deux ensemble. Et pas eu tant de. Voilà, pas trop différencié son anniversaire de Noël. Mais moi, je suis pas du genre comme ça. Moi, il est hors de question qu'on mélange les deux. Il a son anniversaire, on le fête comme il doit être fêté. Et ensuite, on refête! Donc, c'est sûr que niveau idée cadeau, on rame. Hein. Voilà, c'est pas facile d'avoir des idées. Autant plein d'idées sur 2 jours comme ça aussi rapprochés. Mais bon, c'est pas grave. Donc, je divaguais, je sais plus ce que je vous disais. Enfin, bref, tout ça, voilà. Nous, on commence à être dans l'effervescence des. L'effervescence. L'effervescence. Dans l'excitation des fêtes. Voilà, je vais faire. Ça faisait longtemps que je buguais pas sur des mots. J'ai monté une vidéo juste avant. J'ai dit le mot alternation pour alternance. Je me dis, ben, ça y est, c'est. Et après, il y a un mot que j'ai pas su dire, mais au moins, j'ai pas dit de bêtises. J'ai pas dit de bêtises. Et là, ça recommence. Mais bon, bah, c'est pas grave. Voilà. Vous avez l'habitude, hein, je suis sûre que ça vous manque. Bon, en tout cas, quand je regarde, je me suis dit, ah, oh, mais c'est pas possible. Mais bon, voilà, ça me fait rire. Voilà, j'ai toujours eu des petits soucis de langage comme ça. Ça m'a jamais embêté. Le ridicule ne tue pas. Donc, ce matin, oui, c'est ça. Donc, j'ai pas tricoté ce matin parce qu'il fallait préparer tout ça. Cet après-midi, j'ai quand même tricoté un petit peu. J'ai avancé un peu sur mon jacquard de Noël, mais non, moi, sur mon pull en jacquard. Voilà où j'en suis. Donc c'est le pull que je teste hein, pour Nadia. Donc c'est ce que je vous disais, vous voyez, c'est ça là, ben, je l'ai fait. Et là, j'ai plus qu'à faire cette petite partie-là avant de faire
Lire en raccourci, qui je connais bien chez Nadia, sont de plus en plus longs la plupart du temps. Il me semble. Bon, bref, ça commence toujours par une grande partie. C'est des rangs raccourcis assez longs, voilà. On fera des rangs raccourcis, puis après on sépare les manches, le corps m'a appris. Après ce sera du tricot zéro cerveau, et ça sera parfait pendant les fêtes. Donc voilà, ça a bien avancé, je suis contente. J'aimerais finir le yoke ce week-end. Bon, c'est peut-être un gros objectif, parce qu'on va, je vais peut-être pas avoir le temps. Bon, bref, on verra bien, hein. C'est pas un souci. Mes chaussettes, j'ai pas avancé, je les ai pas prises. Ah. Et le numéro du jour. Et le numéro gagnant du jour, c'était le 17. Donc, et le coloris, c'était Suro. Ça vous donne peut-être une idée de ce qu'on va avoir. J'ai été agréablement surprise. Je suis contente. J'ai des belles surprises jusqu'au bout de ce calme mystère et de ce calendrier de l'Avent. Et je suis contente. Donc, voilà Suro. Voilà, s'il veut bien faire la mise au point. Donc, c'est un bleu. Foncé, comme je suis pas très, c'est pas du tout mes couleurs, bah vous aurez juste comme description, c'est un bleu foncé. Voilà, je saurais pas vous dire plus. C'est un bleu, et c'est bien. Et j'aime bien, je trouve que voilà, j'aime bien, puis ça s'accorde bien avec ce qu'on avait hier, donc parfait. Donc bon, je travaillais pas, j'ai quand même tricoté tout mon indice avant de venir vous voir. J'ai quand même essayé de faire bien les choses. Et voilà l'indice tricoté. Donc c'était une jolie dentelle. Je trouve, vous voyez ça. Alors c'est sûr que là, ça. Peut-être qu'il aurait quand même fallu une couleur entre les deux, peut-être pour dégrader un peu plus. Mais sinon, je veux dire, voilà, c'est. Dans l'ensemble, c'est quand même pas mal. Donc la dentelle, je vous la montre. Donc le rang, il n'était pas compliqué. La dentelle, le motif de répétition n'était pas compliqué. Sauf que d'un rang. On répète, c'est juste 4 rangs qu'on répète, donc il y a deux rangs de dentelle et il y a un rang, puis le rang suivant il est un petit peu décalé, puis on se remet à la base, puis on le redécale un petit peu. Et ben c'est un peu perturbant de tricoter deux jetés qui sont un tout petit peu en décalage. Ils sont pas centrés. Alors chaque fois je me dis, est-ce que je suis bien là? Je me suis bien mise, je me suis pas bien mise. Habituellement on a une dentelle, c'est toujours bien symétrique, on se repère, hein, si on a un jeté là, on doit l'avoir là. Mais là ça faisait touc touc. Touk touk, touk touk. Et ça m'a un peu perturbée. Mais voilà, c'est tout. Et le rendu final, il est sympa. Parce que je me suis demandé aussi qu'est-ce que ça allait donner. Là, je pense que vous voyez quand même assez bien par transparence. Mais voilà, le rendu, il est sympa. Hop là. Mon chéri, hier, m'a dit que bah, ça faisait déjà quand même une assez. Vraiment une grande étole. Hein, parce que là. Donc on est à 17 jours. Mais il reste 7 jours. Parce qu'on va faire 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Oui, c'est ça. Hein. Il reste 7 jours. Car encore 7 sections. Donc si je regarde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Par exemple, ça, il y a 7 sections là de tricoter. Donc ça fait quand même encore un sacré morceau mis au bout. Et comme je disais à mon chéri, je dis bah ouais, mais c'est quasiment 5 échevaux de laine qu'on tricote dans une étole. Alors vu comme ça, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, tu te rends compte, elle va faire quasiment 500 grammes. C'est énorme. Énorme. Je suis en train de me dire, je me demande si je la poserai pas après sur mon canapé, plutôt que d'essayer de la porter en écharpe. Ou poser sur le bout du lit. Ouais. Bon, je sais pas. On verra bien. Ça va être un sacré, sacré objet à la fin. Mais c'est toujours aussi rigolo à tricoter. Voilà, à chaque fois on a eu quelque chose de différent. J'ai découvert plein de points de dentelle que je n'avais jamais fait. C'est là que je me dis, on a encore tellement de choses à voir. Parce qu'au final, il y a des pulls où on revoit les mêmes choses. On a beau voir des pulls avec des designers différents. Il y a des points de dentelle qui reviennent et qui sont quasiment les mêmes. Et en fait, là, quand je vois tout ce que j'ai tricoté là-dessus, je me dis, mais en fait, des points, il y en a, mais des milliers et des milliers. Il y a tellement de quoi faire, quoi. Regardez-moi ça. Moi, j'avais jamais. Jamais tricoté un point qui était là-dessus. Non. Non, j'ai jamais rien. Non, j'ai tout était nouveau pour moi. Et il y a plein de choses que j'ai trouvées super jolies, super sympas à faire. Donc, il y a de quoi faire avec ce projet, quoi. Ouais, c'est vraiment une belle diversité. C'est vraiment chouette. Donc, voilà. Alors la section là, elle est quand même paraît petite et en plus celle-là, elle est plus grande que les autres. Donc le contraste, c'est un peu étonnant. Je me suis dit, ah tiens, on doit refaire encore deux rangs. Ah bah vraiment être long cette. Mais au vu de ce qui me reste en laine, c'est que avec tous les jetés, tout ça, ça n'a pas consommé beaucoup de fil.
Donc voilà pour aujourd'hui, c'était mes petites avancées. Donc du bleu, est-ce qu'on partirait pas sur du bleu un peu plus clair pour ensuite tirer sur du vert et finir par du vert de l'autre côté? Moi je reste hein, têtue, bornée. Pour moi, il doit y avoir du vert dans ce calendrier de l'Avent. C'est pas possible autrement sinon. Voilà, pour moi, il doit y avoir du vert quelque part. Je sais pas où, je sais pas quand, mais il y aura du vert, j'en suis sûre. On verra bien. Mais voilà, ça avance bien et c'est pas mal. Et c'est tant mieux. Hop là. Donc je vais essayer. Voilà, après, j'ai du montage vidéo à faire. Et puis on s'en va. On va déposer les garçons chez leur papa pour le week-end. Donc voilà, ce soir, pas beaucoup de temps pour tricoter. Mais voilà, je vais essayer d'avancer un petit peu là sur mon jacquard avant d'aller récupérer les garçons. Et on se retrouve demain pour la fin de cet épisode. Si, je voulais revenir aussi. Déjà, comme toujours, hein, je vous remercie pour tous les messages que vous me laissez, tous les commentaires et tout. Là, je vais me mettre à jour, je vais en profiter là justement d'avoir un peu de temps pour me mettre à jour et vous répondre, tous les lire et puis répondre aux questions que vous pouvez me poser. Il y en a plusieurs qui m'ont dit, ah mais tu fais tellement plein de choses et puis t'avances tout et puis sans stresser et tout. Alors voilà, moi je fais mon cale de l'avant, j'arrive, ça me convient bien de tricoter 20 grammes, je ne savais pas au départ du calendrier de l'avant. Si j'allais tenir le rythme de tricoter 20 grammes de laine par jour. Bah si, moi j'y arrive, voilà, j'ai pas de soucis. Finalement, c'est vrai que j'avais jamais quantifié le métrage que je tricotais chaque jour. Bah voilà, maintenant je le sais, tricoter 20 grammes, c'est à peu près 80 mètres de fil. Voilà, je le fais sur une journée, il n'y a pas de souci. Donc j'arrive à avancer mon cale, voilà, tous les jours sans trop de difficultés. Comme je vous ai dit dans la semaine, les journées où j'étais moins bien, bah, j'ai juste tricoté ça et j'ai rien tricoté de plus. Les jours où j'ai un peu plus de temps, bah voilà, j'ai avancé sur mon pull à jacquard, j'ai avancé sur les chaussettes, j'ai fait mon gnome à côté. Voilà, mon gnome hein, que je vous mets en vidéo le mercredi, c'est pas le même rythme de tricot. Il y a des journées où il n'y a rien à faire, donc si jamais j'avais eu du retard, j'aurais pu rattraper. Souvent, ça a été des indices assez courts, puis bon, c'est un petit objet. Ça se tricote assez rapidement, voilà, quand on n'a que deux I-cords à faire pour faire des bras, ça va vite à se faire. Donc voilà. Et je sais plus ce que je voulais. Donc voilà, il faut pas. Moi je vois, il y en a beaucoup d'entre vous qui font des cadeaux de Noël, donc forcément, vous avez une date. Ça avait une date limite, donc ça met de la pression, ça met du stress. Et moi ça j'ai pas, moi voilà, j'avance petit à petit, je me suis pas mis de trop de pression. Après, vous me dites, c'est vrai que maintenant je suis devenue quand même ben, voilà, multi en cours. J'ai actuellement 4 projets sur mes aiguilles. Ils avancent chacun à leur rythme, sans pression. Après, moi je suis vraiment pas du genre à laisser un projet complètement de côté et ne pas le trier. À part ma couverture de reste, hein, elle compte vraiment pas. Par exemple, voilà, ma couverture de reste en ce moment, je la fais pas parce que ben j'ai assez à faire avec le reste. Donc c'est vrai que pour l'instant, je la crochète pas trop. Je pense que pendant mes congés, je le ferai davantage. Mais c'est vrai que moi je suis pas du genre à mettre un projet complètement de côté et puis je me dis oh, je le reprendrai dans un mois. Non, je préfère tout avancer petit à petit, quitte à ce que je mette plus de temps pour tout finir, mais au moins tout avance petit à petit et moi j'aime bien comme ça et c'est comme ça que ça fonctionne pour moi. On a chacune sa façon de faire, chacun fait comme il le ressent, comme il en a envie et comme il peut, voilà. Mais moi je me suis pas, c'est vrai que j'ai pas fait cette année, je ne fais pas de cadeau fait main. Donc j'ai pas ce stress là de me dire il reste plus qu'une semaine pour finir tout ça. Non voilà, moi j'ai n'a pas fait ça cette année, donc pas de stress. Et voilà, faut pas se comparer, on va chacune à la vitesse qu'on va, on fait comme on peut. Et surtout, faut juste garder beaucoup de plaisir dans ses loisirs créatifs. Voilà. Alors c'est avec mon rose cardigan que je vous retrouve aujourd'hui pour la fin de ce vlog. Hein, ce gros gilet dont on oublie après l'étape des coutures, tout ça. Voilà. On est bien content de l'avoir et de le porter. Voilà, fin de ce vlog. Je viens vous voir là quand j'ai encore le temps de finir de faire le montage et de vous mettre la vidéo pour demain. Puisque voilà, cet après-midi, petit moment avec les tricopines pour tricoter avant les fêtes, ça va être vraiment chouette. Et puis ce soir, voilà, on fait l'anniversaire à mon chéri. Donc j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui, la journée va passer super vite, mais je viens quand même vous voir pour
m'a quand même pouvoir quoi pour finaliser cette semaine. Hier soir, j'ai réussi à bien avancer sur mon pull en jacquard. Je vous montre où j'en suis aujourd'hui. Voilà, j'ai fait. Je vous avais quitté là-dedans, donc j'ai fait ça jusque-là. J'ai fini les triangles verts, comme vous pouvez voir. Vous voyez, hein, c'est la même chose qu'ici. Il me reste plus qu'à faire les triangles roses. Vous voyez, j'ai commencé à remettre la couleur principale. Et mon yoke en jacquard sera fini. Voilà, je suis contente. Voilà, ce week-end c'est l'objectif, finir le yoke, demain voilà, finir le jacquard, faire les rangs raccourcis, mettre en attente les manches. Voilà, ce serait bien pour qu'en début de semaine j'ai plus que le corps tout en jersey à tricoter, ça serait pas mal. Mais voilà le rendu donc du jacquard du pull Clarisse. Donc ça avance bien. 18e jour du calendrier de l'Avent. Ah, la boîte elle commence à se vider beaucoup, il n'y a plus grand chose dedans. Aujourd'hui on a le coloris Myrtille. Donc, il porte bien une couleur qui porte bien son nom. Je vous le montre. Un très joli bleu avec des petites touches de violet, des speckles bleu foncé, vraiment sympa, vraiment chouette, qui s'accorde bien avec la couleur donc d'hier, hein, forcément. J'ai pas encore fini de tricoter tout mon indice, mais j'ai tricoté une répétition et comme ça, voilà, vous avez quand même une belle idée du rendu. Donc voilà, avec la couleur d'hier, j'aime beaucoup. Alors, je sais pas si vous allez... non, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Ça fait comme des petits triangles là, de points en vert. Et autour, on a du point en droit. Ah, c'est tellement grand maintenant. Vous voyez, là, ça fait un triangle. Donc après, on a du jersey en droit, une barre de points mousse. Et hop, là, on a re un triangle. Voilà, je ne suis pas sûre que vous voyez bien. Il y a peut-être trop de lumière, je sais pas. Vous verrez mieux quand il y aura il y a encore deux répétitions à faire. C'est sympa à faire, ça le rendu, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup voir les nuances de la laine, ça aussi, je sais pas si vous allez voir. Elle est pas mal nuancée et c'est vraiment joli, j'aime beaucoup. Je sais pas trop si vous allez le voir. Des fois on n'a pas assez de lumière, des fois on en a trop. On n'est jamais content. Vous voyez là, il y a une fausse touche de bleu foncé. À ce niveau-là. Enfin bref, on passe dans les bleus et moi qui suis pas bleue, mais ben pourtant ben là j'aime beaucoup. J'aime beaucoup là cette section-là, ces couleurs-là ensemble. Hop, elles sont vraiment très très belles. J'aime bien. Voilà. Voilà pour ce, je ne sais plus combien, on doit être au troisième vlog de Noël. Une belle étole déjà qui est vachement longue. On est passé par un beau panel de couleurs. Moi je le dis, hein, il manque le vert. Il manque le vert. Donc 19, 20, 21, 22, 23, 24. Plus que 6 indices à tricoter. On arrive au bout de ce beau projet. Ça va être vraiment une belle étoile à la fin avec vraiment des points très très jolis. Moi j'en suis contente. Globalement, franchement, à part cette pointe de rouge, tout le reste j'aime beaucoup. J'aime bien. J'aime vraiment bien. Donc voilà pour cet épisode de vlog. J'ai rien de plus à... Ah si, il faudrait quand même que je vous montre mes chaussettes. Je vous l'avais promis. Où elles sont? Pas une grande avancée sur mes chaussettes, mais une avancée tout de même. Donc je reviens vous la montrer. Hop, je la retourne pour qu'elle soit sur l'endroit. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc j'ai encore quelques centimètres à faire avant d'arriver au talon. Donc voilà, elle avance à son rythme. Et j'aime beaucoup parce qu'on voit bien comme ça les nuances de la laine. Et moi je suis vraiment contente. Ça met en valeur la laine tout en ayant une jolie chaussette qui n'est pas juste du jersey en droit. C'est vraiment sympa. Elle aura besoin d'un bon lavage pour que les mailles se remettent bien là. Mais voilà, à part ça, j'en suis contente. Donc ça avance, ça avance, ça avance. Et pour une 66 mailles, je trouve que la largeur elle est pas mal. Voilà, ça m'a pas l'air trop serré par rapport à ce que je fais d'habitude. Donc, parce que moi, maintenant, j'étais passée à 72 mailles, mais en 2,25. Et là, c'est 66 mailles en 2,5. Et ça m'a l'air pas mal, la taille. Ça a l'air bien. Donc là, c'est la dernière fois qu'on se retrouve avant Noël. Ben, voilà, la prochaine vidéo, le prochain vlog, vous l'aurez après Noël. Donc je tenais à vous souhaiter de passer de belles fêtes de fin d'année, de passer un très bon Noël, qu'il soit rempli de lumière, de magie, de vos proches, de vos amis, de vos familles, des gens que vous aimez. J'espère de tout cœur que vous allez passer de joyeuses fêtes, de bons moments, que cette période de...
juste avant Noël, qu'elle soit pleine de joie et de gaieté pour vous. Bon, voilà, j'ai du mal à aborder le sujet, mais voilà, j'ai quand même pensé toute particulière pour les familles comme les nôtres, les familles recomposées, les familles monoparentales. Voilà, toutes ces personnes qui n'auront pas leurs enfants à Noël, hein, que vous soyez. Que voilà, vous soyez la maman, le papa, que vous n'ayez pas vos enfants à Noël, ça reste un moment, je pense. C'est quelque chose, quoi. C'est quelque chose auquel on s'habitue pas. Allez, hop, allez, on prend son courage. Donc nous, on a la chance d'avoir les garçons avec nous cette année, mais voilà, vous voyez, c'est vraiment un sujet qui me touche à cœur. Je m'y habitue pas au fil des années, hein, une année sur deux, on les a pas à Noël, et nous, le jugement de garde fait que, ben voilà, nous, on les a pas du tout. Si on les a pas à Noël, on les a pas du tout, en fait. Si ils sont pas là le 24, ils sont pas là le 25 non plus. Donc cette année, vraiment, on les a le 24 au soir, le 25 la journée, ils repartiront chez leur papa le 26. Voilà, l'an prochain, ben, ça sera plus notre tour. C'est tout, c'est comme ça, il faut faire avec. Mais je pense que dans les familles recommandées, en tout cas pour ma part, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à gérer chaque année. Ben, voilà, une année sur deux, de ne pas les avoir à Noël, c'est quand même c'est quelque chose de difficile. Donc voilà, je pense à vous tous qui. C'est pas votre année, c'est pas votre tour, et que ben, c'est. La magie de Noël n'est pas vraiment là totalement. Veuillez m'excuser pour ce petit moment d'émotion. Voilà, j'ai failli le couper et puis je me suis dit, bah non, ça y est, c'est tout, tant pis. Ça me tenait quand même à cœur de penser à ces familles-là qui sont comme les nôtres. Donc voilà. Mais je vous souhaite tout de même donc de passer un joyeux Noël, de passer de belles fêtes. On se retrouvera donc dans le prochain vlog après Noël. Voilà, je me dis que beaucoup d'entre vous allez être en congé, allez être en vacances, même s'il y a les repas de famille et tout, qu'on essaye de voir le maximum de ses proches et tout pendant les fêtes, je pense qu'il y a quand même des moments où on va prendre du temps pour soi, pour se reposer, et qu'on va prendre du temps pour tricoter, et ça me tient à cœur quand même de vous proposer toujours mes petits vlogs qui vous plaisent toujours autant, qui vous font beaucoup de bien, que vous me réclamez à chaque fois, donc je me voyais pas. Ne pas poursuivre les vidéos pendant les vacances, donc malgré les fêtes, tout ça, vous continuerez à avoir des petites vidéos de moi pour vos moments détente, vos moments tricot. J'en profite également pour vous remercier pour tous les messages que je reçois à chaque fois. C'est plein d'amour, c'est plein de gentillesse, vous êtes vraiment adorables, c'est incroyable, vous m'apportez énormément, et je sais pas, des fois je me dis que j'aimerais vous apporter plus, mais je sais pas comment faire, mais tout le retour que vous me faites, il est extraordinaire, il est incroyable, je sais à quel point je suis chanceuse de pouvoir partager avec vous, et vous me le rendez mais tellement comme ça, tellement plus fort, tellement avec tellement de puissance, c'est vraiment incroyable, donc merci à vous, merci, merci, merci. Donc passez un joyeux Noël, j'espère que vous avez été sages et que vous serez gâtés. On se retrouve dans une semaine, en attendant je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt, bye.